Tu restes comme ça. Tes papiers sont bloqués. Trois mariages n'ont pas marché. Tes enfants même. La tétuité sur eux là, c'est un autre degré. Tu es là, tu es couché, tu te plains seulement. Hein? Vraiment les enfants là. Tu imagines ce qu'elle m'a fait. Tu imagines. La personne à qui tu peux raconter tes problèmes là, la personne connaît quelque chose sur ça. La personne connaît quelque chose sur ça. Et je... Si quelqu'un, pour te bloquer, peut jeûner, peut aller payer, parce qu'il veut être sûr, a pas fait le mauvais œil, te désirer ton mal, il parle le mal de toi. Il pousse un peu plus loin, il part, il prend quelque chose. Il y en a même qui voient les astuces ici en ligne, ils savent comment bloquer quelqu'un. Je vous dis toujours que dans le blocage, le royaume des ténèbres aime tellement les blocages que tu peux dire, ok, je veux bloquer la fille ici à 10%. Tu peux la bloquer à 3000%. Seulement parce que tu as fait un petit rituel, tu as mis un petit papier, tu as, je ne décrirai aucun rituel pour bloquer quelqu'un ici. Le petit truc que tu as fait, tu as simplifié. Ils ont pris ça. Porter ça sur trois générations sur la personne. Ne blaguez pas. Toi, tu es là. Tu as souffert pour avoir le visa pendant 3 ans. Tu obtiens le visa. Ta mère tombe malade. Tout l'argent que tu avais mis de côté là, elle suce ça. Quand l'argent finit, elle meurt. Finalement, ton visa expire, tu ne peux pas voyager parce que tu n'as pas l'argent pour payer le peu de billets. Dans mon travail, j'entends tellement de choses, les situations des gens. S'il y a une chose que les gens ont en commun, c'est qu'ils ne sont pas vigilants. Tu es là, tu demandes le visa, tu ne gênes pas toi. Tu ne gênes pas toi. Hein? J'attends mon visa. Comme ça. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Est-ce que tu pries toi un jour? Jamais. On dit, c'est lave au sel. Ah, elle dérange. Pourquoi elle veut qu'elle me lave au sel? Ni 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 ni. Ok. Continue, non? Si quelqu'un peut se lever, il fait les efforts pour te bloquer. Lève-toi. Fais les efforts. Pour un effort pour te bloquer, tu as besoin même parfois de 50 efforts pour te débloquer. Oh. Comme tu écoutes ceci, déclare que ton esprit revient à toi. Ton esprit revient. La paresse la sort de ton corps. Au nom de Jésus. Le lavage au sel, c'est comment? Tu prends... Je vous ai dit qu'on fait déjà le sel liquéfié. On fait le sel en liquide. Moi, j'évolue, j'avance. Donc, tu prends... On va faire le sel en grain. Tu prends le sel de la cuisine de ta grande soeur chez qui tu vis depuis 6 ans. Ça ne te dit rien là. Pas dans sa cuisine, tu prends le sel là. Tu mets dans un petit plat. Tu as besoin d'une cuillère à café. Tu peux me mettre dans ton eau pour te laver. Tu mets le sel dans l'eau. Tu pries dessus. Tu prends, tu te laves avec le savon. Tu prends le savon sur toi. Tu verses l'eau là sur toi. Ça peut avoir le même effet. Tu pries. Tu mets le sel dans l'eau. Tu lis le psaume 35 et le psaume 91. Tu lis, tu parles. Tu lis, tu parles. Que si la femme, c'est là, ce qu'elle dit, c'est ça. Je me débloque. Toute personne, il y a même les prières que vous pouvez faire. Genre, je veux voir le visage des personnes qui me bloquent. Tu finis, te laves avec l'eau là. Tu peux faire ça pendant 7 jours et tu ne vois pas quelque chose. Si tu fais, tu ne vois pas, tu lances le pipi. Donc,
Ton premier pipi du matin, tu pisses dans quelque chose. Tu mets le sel sur ça, bien dosé. Tu ne dilues pas. Tu lis le psaume 35 dessus. Après, tu prends le pipi là, le pipi salé. Ça devient comme ton huile. Tu te oins le corps avec. Tu oins ton corps partout, le visage. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez les voiles sur le visage. Après ça, bien sûr, il y a l'huile de blindage que tu peux prendre. Il y a le donne-moi tout. Le donne-moi tout. Ça, ce sont les produits que je vends. Tu rajoutes, tu peux rajouter ça. Quand tu finis ton lavage au pipi, tu prends l'huile de blindage, tu te oins avec. Et je rappelle pour les arnaqueurs que mon seul numéro, c'est le 237 6 93 50 22 66. Abidjan, c'est le 225 07 79 02 52 05. Côte d'Ivoire, oui, c'était ça. Gabon, 07 074 18 00 80. 074 18 00 80.